Salut à tous et bienvenue dans la continuité de ce programme Gold Booker. Aujourd'hui, en cette quatrième vidéo, nous allons vous montrer comment activer son investissement sur Gold Booker. Nous allons vous montrer comment investir sur Gold Booker. Donc, nous allons aller nous connecter. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, déjà, nous vous recommandons de le faire parce que c'est une plateforme que nous recommandons fortement en cette année 2021. Et pour mieux comprendre pourquoi, suivez toutes les séquences vidéo de ce programme Gold Booker et vous trouverez toutes les démonstrations possibles et toutes les raisons pour lesquelles nous recommandons cette plateforme. Donc, vous pourrez aller en description et cliquer sur le lien d'inscription et comme ça, suivre ce programme pour investir tout en suivant cette vidéo qui va vous montrer comment investir sur la plateforme. Et donc, je vous rappelle également pour ceux qui n'ont pas encore fait de prendre position en description de cette vidéo de votre pack de 300 posts Instagram gratuits, y compris avec une formation gratuite, de liker cette vidéo afin de nous encourager et de pouvoir aussi vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc là, je suis connecté dans mon compte, l'un de mes comptes, un compte Gold Booker. Alors, donc, pour activer votre investissement, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un portefeuille. Donc, un portefeuille Bitcoin. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de portefeuille, vous pouvez aller sur Google et cliquer sur, taper blockchain, et puis vous allez atterrir au niveau de blockchain.com. Ou bien cliquez, tapez en barre de lien ici, blockchain.com, et puis vous allez vous inscrire. L'inscription est très facile. Et pour pouvoir acheter votre crypto-monnaie sur cette plateforme, pour ceux qui pourront avoir les questions dans ce programme, vous pourrez les poser. Et comme ça, je pourrai revenir en détail sur l'achat de la crypto-monnaie sur cette plateforme. Notez qu'il y a beaucoup de plateformes, hein. Beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Donc ici, c'est très facile. Arrivé à ce niveau-là, vous allez à acheter et vendre de la crypto-monnaie. Voilà. Donc vous avez différentes façons de l'acheter. Moi, je recommande de le faire via des cartes prépayées, Visa ou bien Mastercard. Donc vous venez ici à Bitcoin. Ben, je vais rapidement aller dessus. Ensuite, vous allez d'abord enregistrer votre Mastercard ou bien carte Visa au niveau des paramètres. Donc, vous allez venir au niveau des paramètres de votre blockchain. J'ai monté une vidéo dessus. Donc, paramètres à général. Et vous allez configurer à ce niveau. Donc, lier carte. Lier votre carte. Et après avoir lié votre carte, donc ajouter une carte, c'est là que vous pourrez facilement acheter votre crypto-monnaie via cette plateforme. Ensuite, vous allez devoir également enregistrer votre identité parce que quand vous allez arriver à ce niveau, acheter et vendre crypto-monnaie, quand vous allez faire l'opération, vous mettez par exemple une somme de 100 dollars, quand vous allez aller à prochain, vous verrez que la plateforme vous demandera de vous enregistrer. Moi, comme je l'avais déjà fait, donc il n'y a pas de souci. Et la plateforme vous demandera de pouvoir vous enregistrer et de pouvoir faire un scannage parce qu'ils vont vous envoyer un lien qui est vers, après vous avoir demandé votre numéro de téléphone, et le lien sera affiché au niveau de votre numéro de téléphone via une application. Ce lien va vous amener dans une application web qui vous permettra de pouvoir valider votre identité au niveau de cette plateforme pour pouvoir faire l'achat de la crypto-monnaie. Donc, il y a une vidéo que j'ai montée dessus. Vous allez la voir au niveau de la description de cette vidéo pour savoir comment acheter de la crypto-monnaie sur blockchain. Alors, après l'avoir fait, vous pouvez aussi le faire avec CoinMama, hein. CoinMama, c'est une plateforme également assez intéressante. Elle est mieux que blockchain. Seulement, l'inscription prend beaucoup plus de temps avec le système de validation. Vous allez à cliquer sur le lien, vous allez vous inscrire selon tout ce qu'on va vous donner comme instruction. Ensuite, vous allez vérifier votre identité en scannant votre carte nationale ou bien votre
passeport. Ensuite, vous allez écrire sur KonMama et plutôt sur une feuille KonMama et vous allez pouvoir avoir cette feuille en main avec votre carte nationale ou votre passeport et vous faire un selfie que vous allez leur envoyer. Ensuite, quand vous allez finir de le faire avec votre webcam, ils vont vous faire patienter pendant 24 heures pour pouvoir valider votre compte afin que vous puissiez atteindre un achat de 15 000 dollars au maximum de crypto-monnaie. Quand vous allez ici, vous voyez que les limites, moi par exemple, je l'avais déjà fait et vous voyez que j'ai la possibilité d'acheter jusqu'à 15 000 dollars de crypto-monnaie. Donc voilà un peu pour l'achat des crypto-monnaies. Vous pourrez poser des questions si vous voulez plus de précisions et des détails. Et vous allez suivre aussi une vidéo ou des vidéos que je vais mettre en lien qui montrent un peu comment aller en détail sur l'achat des crypto-monnaies sur CoinMama et sur blockchain. Alors, sans plus tarder, nous rentrons, nous revenons, ça c'était une parenthèse, sur notre programme. Après avoir acheté de la crypto-monnaie via une Mastercard, parce que l'achat c'est la même chose ici, hein, au niveau avant de continuer, sur CoinMama, c'est beaucoup plus facile, vous voyez, vous rentrez le montant ici et vous allez aller à vendre. Quand vous le faites, à vendre, quand vous le faites, vous allez, non là parce que mon solde est sûrement insuffisant, donc je n'ai pas assez de, mais c'est beaucoup plus facile que sur blockchain. Voilà, mais il y a la vidéo qui est en description que vous allez suivre comment acheter la crypto-monnaie en ligne. Donc après avoir fait cela, vous étant déjà sûr que vous avez vos crypto-monnaies, sachant bien que pour investir ou activer l'investissement au niveau de Goldbroker, il faudra avoir un minimum de 50 dollars dans votre, donc 50 dollars de valeur Bitcoin dans votre blockchain ou plateforme de crypto-monnaie. Bon, souvent, il n'est pas recommandé d'avoir la somme juste. Il faut avoir la somme plus 10 dollars au-dessus pour les éventuels frais dus aux transactions d'envoi ou de transfert vers cette plateforme-là. Donc, si vous voulez activer le pack de 50 dollars, il est mieux d'avoir souvent 60 ou 70 dollars dans votre porte-monnaie Bitcoin. Donc, si vous voulez activer celui de 100 dollars, 70 dollars, vous devrez avoir un montant de 80 ou 90 dollars de Bitcoin dans votre portefeuille. Alors, supposons que vous voulez mettre 100 dollars à l'intérieur. La première chose à faire, puisque la somme minimale c'est 50 dollars, on va choisir, par exemple, on va supposer de mettre 100 dollars. Première chose, il faut d'abord faire un dépôt sur la plateforme. Donc, vous venez ici, vous déroulez, ensuite vous allez à ajouter un fonds. Et vous atterrissez sur cette plateforme-là. Vous allez donc saisir le montant, donc c'est-à-dire 100 dollars. Ensuite, les différentes monnaies électroniques sont là. Est-ce que c'est en argent parfait, donc parfaite monnaie en anglais? Est-ce qu'ils sont XRP, Litecoin, Dutch, Ethereum ou Bitcoin? Nous, c'est du Bitcoin. Donc, on clique sur Bitcoin, BTC. Ensuite, on a cette valeur-là. Donc, ici, c'est l'adresse que nous copions et que nous allons aller coller au niveau de la plateforme où nous disposons des crypto-monnaies pour transférer ces crypto-monnaies dans cette plateforme afin d'activer notre investissement. Donc, si c'est par exemple CoinMama, on va d'abord rafraîchir. Voilà. Donc, si c'est par exemple sur CoinMama que j'ai envie d'acheter de la crypto-monnaie, je vais cliquer sur 100 dollars et vendre sur un compte bancaire. Ah non, non, en fait, c'est acheter plutôt, acheter, acheter. Acheter Bitcoin, vous voyez? Donc, vous allez à acheter Bitcoin. Voilà. Ensuite, acheter. Donc, vous allez ici à acheter Bitcoin. Ensuite, vous cliquez 100 dollars. Vous voyez? Donc, la valeur correspondante en Bitcoin, c'est là. J'achète.
plateforme doit bugger un peu rafraîchir. Donc, 100 dollars. Voilà, acheter. Donc, je crois qu'elle bug un peu. Nous allons poursuivre la démonstration avec blockchain parce que, à quel moment, il doit y avoir un petit bug. Avec blockchain, on suppose qu'on a, on a nos crypto-monnaies, donc nos 110. Bon, là, ici, j'avais fait des retraits, donc je n'avais plus des bitcoins, je dois encore recharger. Donc, on suppose qu'on a 110, 200 dollars de bitcoin ici. Alors, nous venons là, nous allons acheter et vendre. Voilà, donc acheter et vendre. Ici, nous avons cette rubrique-là. Donc, 100 dollars sont là, déjà qu'on avait déjà, comme ça, déjà à programmer. Le mot de paiement, c'est la carte crédit. Alors, ici, j'ai 2 dollars de frais de transaction. Total, 100 dollars que je vais acheter, donc ils vont me prélever 2 dollars. Ce qui veut dire que moi, si je veux activer le pack de 100 dollars, je mettrai 110 dollars parce qu'il peut y avoir d'autres frais de transaction au niveau de Vault Booker. Donc, quand j'ai dit, il faut mettre toujours la somme à investir plus 10 dollars afin de pouvoir être calé pour tout ce qui est des transactions au niveau même de la plateforme Vault Booker. Donc, sachant bien que ici, je me prends aussi des frais. Donc, quand je vais à prochain, vous allez voir que, voilà, on retrait 2,20 dollars. Je récupère 110 dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a 112 dollars que je vais dépenser. Alors, je vais acheter. Ensuite, bye. Voilà. Donc, ton action va être faite. Et comme là, je n'ai pas assez de provisions parce qu'en fait, je vais annuler, j'ai pas envie de d'activer pour l'instant, c'est pour vous faire la démonstration. Donc, dès que ce sera fait, ici, ce sera écrit opération faite avec succès. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone pour rapport à votre serveur de paiement. Et le paiement, ce sera fait. Vous allez avoir votre montant ici de 117 dollars de crypto-monnaie, donc des bitcoins. Ensuite, vous savez que lorsque vous le faites sur blockchain, ici, vous allez venir à envoyer. Parce que dans blockchain, il y a deux comptes. Il y a le compte trading, donc c'est le compte par lequel vous recevez les bitcoins achetés, bien les bitcoins que vous voulez vendre. Maintenant, il y a aussi le portefeuille privé. Portefeuille clé privée. Donc, là, vous allez devoir envoyer. Donc, vous allez devoir prendre ce qui est dans votre. Donc, vous voyez ici. Ici, c'est le portefeuille des clés privées. Donc, votre portefeuille privé. Ah, c'est votre portefeuille trading. Donc, vous allez venir ici. C'est là qu'il y aura les 100 dollars que vous avez achetés de crypto-monnaie. Et vous allez les envoyer au niveau de votre portefeuille privé. C'est alors que vous allez dire, bon, ici, je veux que vous m'envoyez mes 100 dollars vers du portefeuille trading vers mon portefeuille privé. C'est alors que vous allez faire l'opération. Donc, sachez que si ça ne passe pas d'abord, savoir que ça peut être inscrit ici 110 dollars, mais à cause des nombreuses transactions qui sont faites sur blockchain, vous allez devoir attendre pendant environ 24 heures, 24 heures pour que vous puissiez commencer à faire cette opération. Parce que là, la somme sera là, mais il faudrait attendre que dans la chaîne de validation, votre transaction soit bel et bien validée par le support technique de blockchain. Donc, après avoir envoyé cela, vous allez avoir vos 100 dollars ou 110 dollars apparaître maintenant ici au lieu d'ici. Vous aurez les 110 dollars qui vont apparaître dans votre portefeuille de clés privées. C'est à partir de ce portefeuille de clés privées sur blockchain que vous allez maintenant faire l'envoi à partir de là. Aller au niveau de la plateforme Gold Booker où vous voulez transférer vos 110 dollars pour pouvoir activer
votre investissement. Ensuite, vous allez revenir à blockchain et insérer cette adresse là ici. Vous voyez? Et c'est là que vous voulez transférer vos crypto-monnaies. Après cela, vous allez donc faire l'opération. Là, il dit ça, adresse Bitcoin non valide. Pourquoi? Parce que j'ai traîné, parce qu'à un moment donné, quand ça dure trop, je vais réfléchir. Voilà. Donc, on va prendre ça. On va revenir. Donc, adresse Bitcoin non valide. Voilà. Donc, vous allez donc mettre ça ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ça met ça. Copier et payer directement à cette adresse. Vérifier sur Booker Explorer. Donc, je vais revenir encore pour vérifier pourquoi est-ce que l'adresse Bitcoin n'est pas valide. Donc, je reviens. Je mets 100 dollars. Je mets BTC. Alors, copions ça. Donc, j'ai pris un private key. Voilà. Là, c'est bon. Donc, ça a bugué. Il fallait rafraîchir la plateforme parce que quand ça met du temps, à un moment donné, il faut la rafraîchir pour que l'adresse soit valide. Donc, lorsque vous mettez l'adresse de bloc de Goldbooker, donc l'adresse de notre plateforme pour pouvoir activer l'investissement. Ensuite, nous arrivons à ces niveaux, nous mettons nos 100 dollars et nous allons mettre continuer. Là, c'est parce que les fonds sont insuffisants, je n'ai pas les 100 dollars, mais plutôt les 100, là, c'est même pas 100 dollars, c'est 110 dollars, parce que c'est 110 dollars qu'on doit, c'est plus 10 dollars des frais, des transactions qui seront faites en temps entre les deux plateformes. Ensuite, je vais aller sur OK. En validant sur OK, je devrais attendre un peu quelques 10, quelques 15 à 20 minutes, donc maximum 30 minutes, et je vais recevoir des notifications au niveau d'ici, donc au niveau de Goldbooker. Je reviendrai là, donc vous allez revenir ici à ce niveau, aller à dépôt, aller à résumé de l'investissement. C'est là que vous allez venir. Non, c'est pas c'est résumé du dépôt. Hein, je traduis de bon français pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, c'est dépôt. Donc, j'ai envie d'avoir un peu les états de mes dépôts. Quand vous voulez un résumé du dépôt, parce que là, je fais un dépôt. Vous voyez ici, c'était 1000 dollars. Donc, vous allez devoir avoir quelque part ici un dépôt de 110 dollars. Donc, dès que le dépôt, après 15, 20 ou 30 minutes, au maximum 45 minutes, la transaction sera ici en vous montrant que votre dépôt a été fait, statut a été, le statut, ça veut dire que c'est complet. Donc, quand le dépôt sera ici, complet là, donc ce sera 2 ici, avec la date, ces informations-là, ce sera complet ici. Ça veut dire que votre dépôt est bel et bien arrivé. Ou bien ça sera écrit en attente. Donc, quand ce sera ici et le dépôt aura un statut de complet,
et que c'est arrivé. Donc, le dépôt à l'inscription de votre transaction apparaît ici. Ça veut dire que le dépôt a bel et bien été effectué avec succès. Vous allez maintenant aller à la prochaine étape, celle d'activer maintenant l'investissement. Parce que la première étape était avoir un portefeuille Bitcoin, ensuite pouvoir faire l'achat de la crypto-monnaie dans l'une des plateformes, trading, ensuite pouvoir faire le dépôt sur Godbooker. Maintenant que le dépôt est fait, activer votre investissement sur Godbooker. Vous allez venir ici, vous allez aller à investir à partir de P. Donc P, c'est là où donc le compartiment de Goldbooker où le dépôt a atterri. Donc, quand je clique dessus, c'est là qu'en réalité que les 100 dit acheter un portefeuille. Donc ici, les 110 dollars vont apparaître là par défaut. Les 110 dollars que j'aurais transféré. Ensuite, ici, on va mettre identifiant parce que chaque compte a un identifiant. Moi, mon identifiant se trouve au niveau de mon tableau de bord, toujours. Ensuite, ici, vous allez mettre le pack que vous voulez activer. Donc, si ici, c'est 110 dollars, vous allez mettre ici 110 dollars. Parce que 110 dollars sont là par défaut, vous voyez, mais pas, non, par défaut. 110 dollars que vous aurez fait comme dépôt, ce qui sera affiché ici. Et là, c'est les 110 dollars que vous voulez. Donc, vous demandez à Goldbroker de prendre ces 110 dollars déposés dans la plateforme et de l'injecter dans l'investissement des actifs numériques en matière de la ressource or. Donc, voici un peu de façon succincte. La vidéo a été un peu plus longue parce qu'il fallait bien expliquer l'achat de la crypto-monnaie et où mettre un pot au parfum sur les différentes transactions d'achat des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, afin de pouvoir activer votre investissement sur Goldbroker. Donc, la deuxième étape était celle de pouvoir prendre cette crypto-monnaie, la déposer sur la plateforme Goldbroker, ensuite activer l'investissement sur Goldbroker. Donc, je vous rappelle, avant de terminer cette vidéo, de pouvoir prendre possession de votre pack de 300 templates Instagram plus informations gratuites, de nous encourager en likant cette vidéo pour nous permettre de mieux ranker sur YouTube et de vous abonner à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et je vous recommande fortement de pouvoir vous inscrire et d'investir sur Godbroker. Je vous assure que c'est actuellement l'une des plateformes trading les plus rentables et fiables en cette année 2021. Donc, en nous disant aux prochaines vidéos, nous nous disons